Ma façon d'enseigner la boxe aujourd'hui, c'est justement dans cette perspective d'autodéfense féministe. Et c'est pour ça aussi que voilà, il y a cette ambiance un peu différente dans nos cours, je pense. Enfin, ce que me renvoient les personnes qui viennent s'entraîner, c'est pas le même accueil, quoi. Je sortais avec un mec depuis, je sais pas, 6 mois. Et puis il a commencé à mettre des coups de pression, de la jalousie et tout ça, et à me menacer physiquement. Et puis un jour, il m'a frappé, il a cassé une chaise sur moi, et je me suis défendue puisqu'il y avait une arme à portée de main. Et voilà, donc je lui ai tiré dessus, mais il a détourné l'arme. Et du coup, j'ai 17 points de suture depuis l'âge de 18 ans. Voilà, c'était la première fois que j'étais victime de violence conjugale. En arrêtant la drogue, à mon arrivée en prison, j'avais besoin de me défouler. Puis aussi, je ne voulais pas devenir une loque, puisque je voyais beaucoup de femmes qui se laissaient aller physiquement et psychiquement, qui prenaient beaucoup de médicaments, etc. Donc voilà, le sport, ça a été ma façon de garder l'équilibre en prison. Quand je parle avec des gens comme ça, dans un café ou n'importe où, et que je dis que je fais de la boxe, les hommes disent toujours « Ah, celle-là, faut pas l'embêter ». Pour moi, ça révèle leur lâcheté et que c'est des animaux et qu'ils s'attaquent aux personnes qui ont peur. Et dès que vous avez confiance en vous, que vous êtes bien dans votre peau, équilibré, et que vous sentez cette force physique et mentale, ils peuvent pas vous l'enlever. Je ne suis pas quelqu'un qui prône la violence, mais je pense qu'à un moment donné, on n'a pas le choix que de répondre à la violence par la violence, en effet. Ou en tout cas, pour la stopper, il faut une certaine maîtrise de soi-même et pas en avoir peur, quoi. Et la boxe, c'est vraiment un bon moyen pour moi de transformer, si tu veux, les émotions et l'énergie négative en quelque chose de positif, en une force physique et mentale, et c'est pour ça que je me bats pour que tout ait accès à ce sport aujourd'hui, quoi.